Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Prey. Ok, alors, si je me rappelle bien... On a une de ces saloperies qui traîne dans le coin. Je sais plus où, mais elle traîne dans le coin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah. De venir me mettre ici. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'était pour activer l'électricité. Ok, ici c'était me mettre mort. Ici, c'était du loot. Alors par exemple, si je fais ça, est-ce que je peux par exemple mettre ça? Oh la saloperie! Oh toi, mon pote! Non mais... Dites donc. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si je peux empiler ces caisses les unes sur les autres. Ouais, non, ça tient pas. C'est de la merde. C'est naze. Ah, elle, j'avais pas ramassé son loot. Eh bah, comme ça, c'est fait. Ok, maintenant, ici j'ai une tourelle. Donc ça, on va la réparer. Et on va la foutre ailleurs. On va la foutre ailleurs. On pourrait la foutre là. Non mais... Déploiement. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, ce que je voudrais, ça serait bloquer cette porte. Est-ce que je pourrais la bloquer? Et avec quoi? Voilà, par exemple, si je fais ça. Ah, comme ça. Par contre, je peux pas la pousser. Non, mais c'est n'importe quoi. Je peux la porter, mais je peux pas la pousser. Il y a vraiment des trucs dans ce jeu. Me font bizarre. Ok. Donc. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est un nid de... Ouais, d'accord. Est-ce que je pourrais... C'est quoi ça? Ouh, un hypopsie! Merci. Ok. Ah. Du dégât, hein? D'accord, ça tient pas, c'est cool. Du coup, autant dire que ça sert à rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? Un macabé avec des trucs sur lui.
On va essayer de les ralentir ces saloperies, mais c'est pas évident quoi. C'est pas évident du tout. Ok, du loot. Du loot. Là, ici en bas, il y a des macabées. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Ah bah voilà. Ok. Une popsy. J'ai un mec, tu pourrais déposer les fournitures à Morgane en passant. Le code du puits gravitationnel a changé. 2208. Ok, on a le code du puits gravitationnel. Ça c'est bon. Matériaux synthétiques. Y a rien d'autre ici? Non, apparemment pas. Ok, neuromode, est-ce que je pourrais pas, par exemple, scientifique, ingénieur, augmenter ma force physique? Non, il faut 4. Il faut 4 neuromodes et j'en ai 2, donc autant dire que c'est mort. Ah, j'ai vu un truc briller là. Voilà. Ok. Non. Ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Crac. Pourquoi tu me mets le bracelet là? Peut-être que j'en ai plus besoin en fait. Une, deux, trois. Ok. Ah non, ça je dois pas pouvoir le faire d'ici. Ça c'est de l'alcool, de l'alcool. Ça j'en ai pas besoin. 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait se débarrasser? Ah bah de la bière duck. Voilà. Du bourbon. Que les trucs qu'on boira pas ou qu'on goûtera pas. Ou mélange végétarien. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Une bitole, liqueur de grenade, charge IEM, l'appareil expérimental développé dans le laboratoire psychotronique qui, lorsqu'il explose, libère une onde nullifiant le psy. Ah! Je pourrais peut-être leur balancer ça à la gueule. Et les buter juste après. Ok, Y. Donc on a pas mal vidé de saloperies de notre inventaire. Ça a fait un bon tri. Donc celui-ci, apparemment, je peux le recycler, mais pas celui-ci. Enfin, pas automatiquement. Donc celui-ci, j'en ai peut-être plus besoin. Un bracelet électronique de sécurité fourni à tous les employés volontaires de Transtar. Ok, bon. Voilà. On va recycler toutes ces saloperies. Voilà, file-moi tout ça, c'est à moi. Voilà, bon, maintenant. Donc là-bas, il y a une salle de repos. Ok. Donc on sait qu'il y a ces salopards qui vont se pointer. On sait qu'on a ces salopards qui vont se pointer. La porte, c'est trop... La table, c'est trop lourd. Donc on a placé la tourelle ici. Je pourrais peut-être encombrer le chemin. Super. On va leur encombrer le chemin au maximum.
Même si j'en vois pas des masses l'utilité au final. Scan de la cible. Matériel Typhoon non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. On va essayer de les ralentir au maximum, parce que je sais qu'ils arrivent à deux, vu qu'ils m'ont buté la dernière fois, ces bâtards. Voilà. On recharge. Et donc. Et l'heure à Typhon. Charge IEM. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le truc. Il faut tenir, je sais plus combien de temps. Oula, il a l'air de s'énerver l'autre là-bas. Allez, encore 20 secondes. Ok, je crois qu'on va être bon. C'est bon, tais-toi. Bon, pourquoi il s'arrête pas le truc? Ah, oh, ça y est, ils m'ont repéré. Non? Ah mais non mais... Barre-toi, barre-toi, barre-toi! Je les ai tous butés ou il en reste? Je suis pas sûr, je crois qu'il en reste un. Ok, en tous les cas, lui, je l'ai buté comme un caca. Enfoiré. Ah bah non, apparemment c'est bon, je les ai butés tous les deux. Vu qu'il y a deux trucs qu'on lootait. Eh ben. Pas évident, hein. Pas évident, pas évident, pas évident, hein.
Ah bah tiens, lui, je l'avais pas looté. Ok, donc on a le... pourquoi j'ai cette barre qui apparaît là? Ah oui, ok, d'accord. Il est où? Il est là. Alors, où est-ce que t'es? Non. C'est vrai qu'il n'y a pas de... On peut pas viser. Ça le tue ou ça le tue pas? Ah, ça le tue pas. Zut. Bon, tant pis. Ok. J'ai plus de colle par contre. J'ai plus de glue. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y en avait un autre dans le cinéma. Et ça a l'air d'être le cinéma. Donc on va aller chercher... Le deuxième de nos... Il nous manque encore deux enregistrements vocaux. Ok. Alors ici, il va falloir faire attention aux passants parce que... Là, pareil, si on pouvait... Voilà, parce que je suis sûr que quand je vais ramasser l'enregistrement vocal, il y en a un qui va me tomber dessus. Forcément. Donc si on pouvait essayer de les diriger dans le feu, voilà, ça les empêcherait de passer. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, un pistolet à glu. Ouh, tant mieux. Il m'en fallait des recharges de glu, cool. Et ici, ça donne sur la salle de repos. Ouh, il y a un mec là-bas. David Branch. Bah, David, tu vas mourir. Je suis désolé de te l'annoncer, mais tu vas mourir. T'es sous contrôle mental. De toute façon, il a été décrété que... On allait faire sauter la station, donc tout le monde va mourir. Voilà, c'est comme ça. Ah non, mais on va faire sauter la station. Donc, de toute façon, hein. Tout le monde y va mourir, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas faire sauter une station spatiale et espérer qu'il y ait des survivants. Déjà d'une. Et en plus de ça, de toute façon, on ne peut pas laisser les mimiques descendre sur Terre. À la portée de tout le monde. Je surveille tes arrières parce que je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime assez pour passer sous ton bureau. Je cherchais franchement pas le stylo que j'avais fait tomber. Belle parleuse. Ok. Ça c'est fait. C'est bizarre. Je pensais qu'il y aurait eu des mimiques qui seraient pointées. Ah, du coup, je suis de la baise. Ok.
charge IUM, super, les charges IUM qui me servent, mais alors strictement à rien, lecteur de bande magnétique. Les grenades IEM me servent strictement à rien, donc c'est vraiment juste inutile. Juste inutile. Voilà. Et donc, salle de repos 57 mètres. Et on a ce cher David qu'on va être obligé d'aller buter de toute façon à un moment ou à un autre. Ce pauvre David qu'on va être obligé d'aller buter comme un caca. Ok, ça, ça nous fait monter où donc? Ah ouais. Ok gars. J'en ai vu un ici. Bon, j'ai pas besoin d'aller par ici pour le moment, donc hein. Si on fait ce que je vais. Non. Oh oui. Ouf. Je suis passé. J'ai plus assez de pièces détachées. Il n'y aurait pas du loot dans le coin. C'est vrai que j'y pense pas, mais je peux leur jeter des trucs en pleine gueule à tous ces cons. Ok, nous voilà dans la salle de repos. Alors. Ici. Je sais pas pourquoi je m'attends à des surprises. Comme une de ces saloperies de mimiques qui va apparaître. Voilà, parce que bizarrement, hein. Oh, des charges IUM, j'en ai à gogo quoi, mais qui servent strictement à rien. Parce que ça fait pas. Oh non! Ok, on a David en dessous. Tu me laisseras partir après? Promets-le-moi. Ah, je crois pas qu'il te laissera partir après, mon gars. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien. Rien, du café. Putain. Je le savais. Saloperie, là. Feuille de perso. Un balétrière. Pizza. Note, ne pas oublier, les ogres aveugles peuvent appeler à l'aide avec leur gong. Essayez d'empêcher Excelsiorus. Ok, ça c'est leur jeu à la con. Ah. Fatal Fortress. Livre du maître du jeu. 6ème édition. Voilà. Ok David. Tu sais quoi David? David, tu vas mourir David. Adieu David. Scan terminé. Nouvelle aptitude disponible. Ok, où est-ce qu'il est ton spectre? Vas-y, montre-toi enfoiré.
parce que ceux qui sont possédés, ils ont des spectres. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, je vais même pas chercher plus loin que le bout de mon nez. Je dois détruire la station avec tous ses occupants. Donc je vais certainement pas me prendre la tête à essayer de sauver un pauvre mec. Oh, Dédé. Je vais certainement pas m'emmerder à sauver un pauvre mec, alors que de toute façon, je vais buter tout le monde à la fin. J'en vois pas du tout l'intérêt. Transcrit d'Elias Black. Elgarod a disparu dans les ténèbres de la tour. La seule trace de sa présence est une traînée de sang. Mais en observant les dalles, vous remarquez qu'elles semblent absorber le sang. Bordel, c'est dégueulasse. Fais pas ta chouchotte, soit on passe par la porte. Ma question, elle vient de bouffer notre guerrier. À moins que tu puisses t'occuper d'une horde d'hommes rats. Sans magie, on n'a pas trop le choix. Elias, pardon. Elgarod. Capitaine Elgarod, je peux lui répondre? Certainement pas. Aucun son n'émane des ténèbres. Cabine d'Abigail. Englouti Elgarod. Ok, chut, tais-toi. Complètement. Bon, je vais allumer une torche et... Salut les gars. Désolé pour le retard. Objectif, le prochain, fouiller la cabine, fouiller la salle de repos pour trouver des échantillons vocaux. Salle de repos. On trouve la salle de repos, non. Ah bah non, ça y est, c'est fait. Ok. Ça devrait suffire à synthétiser la voix de Daniel et à berner le module d'accès au stockage. Au fait, j'ai effectué un suivi des variations des signatures de champs noétiques dans la station. Avec les humains, le signal est à peine audible. Le typhoon crée une onde bien plus forte. Mais avec le corail, les relevés sont inconstants. Je ne sais pas quoi en penser. Ouais. Il faut trouver votre clé d'armement. Le plus tôt sera le mieux. Mais t'es pas une machine ? Cher futur nous. Aujourd'hui... Futur nous ? On va pas s'appeler comme ça. Aujourd'hui... J'ai réussi à convaincre ma splendide mais têtue partenaire de... Têtue. De rester au lit et de ne pas faire... Oh, il y a un spectre. Et voilà comment quelque part. Il est où, ce fils de pute? Où est-ce qu'il est? Et ça marche jusqu'à quelle distance? Parce que s'il faut être contre eux, c'est mort quoi. Ah ouais, il y a une certaine distance, mais elle est pas très très grande la distance. Hein. Ok, vas-y, recharge. Que voyez-vous dans le miroir? Où est-ce que t'es, mon gars? D'accord, j'ai des trucs qui volent d'un peu partout. Mais lui, il se montre pas. Hein. Ah, putain! Il est où? Combinaison endommagée. Oh putain. Oh là là, comment qu'il m'a poncé direct ! Ah putain ! Je le crois pas, ça. Et il m'énerve, ces spectres. C'est vraiment... Là, il m'énerve vraiment, ces saloperies, là. Et puis j'ai plus de psy. Ça devrait suffire à synthétiser la voix de Daniel. Et
à berner le module d'accès au stockage. Au fait, j'ai effectué un suivi des variations des signatures de champs noétiques dans la station. Avec les humains, le signal est à peine audible. Le typhoon crée une onde bien plus forte. Mais avec le corail, les relevés sont inconstants. Je ne sais pas quoi en penser. Il faut trouver votre clé d'armement. Le plus tôt sera le mieux. Bon. Hop. On va se vider un peu. T'es en train de me dire que j'ai que ça à recycler. Voilà. Voilà. On va se faire un peu de vide. C'est quoi ça? Modification d'armes. Mais j'en ai 8. Ouh. Mais j'avais même pas vu ça moi. Ok. Alors attends, bouge pas mon gars. Non. Voilà, si. Ça. Et ça. À recycler aussi. Voilà. On recycle. Voilà, et on va améliorer nos armes. Déjà, ce truc, est-ce que je peux l'améliorer? Ok, j'ai... D'accord, ok. Alors, puissance. On améliore la puissance. On améliore la portée. On améliore les tirs. Et la vitesse de rechargement. Voilà, ça en fait 4, ok. Ensuite, non mais, voilà, ça, on va lui mettre puissance de feu, taille des chargeurs, ok, et maintenant, ça, on va faire puissance de feu et recul. Voilà. De toute façon, je peux pas faire les améliorations au-dessus. J'ai pas assez de trucs. Donc, par contre, ce qu'il me faudrait, c'est de l'hypopsy. Et j'en ai plus. Et j'ai pas de trucs de fabrique. Donc. De toute façon, je peux me barrer d'ici, je crois. Je crois que je peux retourner à l'arboretum, là. Il m'a dit que j'avais tout ce qu'il fallait. Il m'a dit, t'avais tout ce qu'il te faut. Hop, du loot. Hop, du loot. Lui, je l'ai vidé, je crois, ouais. Et là-bas, j'ai un... Voilà, merci, soigne-moi, s'il te plaît. Allez, là. Oh. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un exercice médical portatif. Ok, super. S'il vous plaît, ne bougez pas. Ça ne prendra qu'un instant. Il n'y a pas plus en forme que vous. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Je suis totalement insatisfait et tu es totalement incompétent. Non, je déconne. Ok. Donc du coup... Qu'est-ce que c'est tout ce bordel, là?
Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ce salopard? Je sais qu'il y a un spectre quelque part. Ici, il n'y a rien. Non, il n'y a plus rien. On avait déjà tout looté. Seul truc, c'est que je sais pas où il est. Là-bas, à l'intérieur, il y a des gens. Ah, c'est les quartiers d'habitation. Ah, mais j'avais récupéré un badge vers un quartier d'habitation d'ailleurs. Je sais plus c'était celui de qui. Aucune carte d'accès. Ça c'est bloqué. Ça c'est ouvert. Aucune carte d'accès. Donc c'est pas de ce côté-là. Mais ça c'était déjà ouvert ça. J'ai pas le code. Non, erreur. Ah mais il y a des trucs ici. Ou un neuromode. C'est quoi ça? Une puce. Ouh. Alors, une puce. Mais j'en ai plein. Ampli agresseur augmente légèrement les dégâts de toutes les attaques psy. Régénère lentement la réserve psy au fil du temps. Ouh, ouh, ouh. Équipe-moi de ça, mon gars. C'est quoi ça, rapido scan? Réduit le temps nécessaire pour terminer un scan. Scan qui sert à rien. Permet de regagner un peu de points de psy en infligeant une attaque furtive. Ouais. J'ai pas encore réussi à le faire, donc les attaques furtives, on va oublier, mon gars. Hein. C'est quoi ça? Ampli hépatocytaire. Élimine les effets d'ébriété de l'alcool. Ah! Comme ça, je vais pouvoir me saouler la gueule sans être bourré. Ça, c'est bien, ça. Trois modes. Ça, c'est quoi? Neuromode requis. Connaissance en médecine. Augmente l'efficacité des kits de secours. Ouais. Là, c'est quoi ça? Neuromode requis réduit de 25% le coût d'endurance des attaques à la clé de griffe. D'accord. C'est quoi ça? Neuromode augmente votre endurance. Augmente votre santé. Augmente la vitesse de déplacement. Transcendance. Vous entrez dans un état de transcendance pendant 10 secondes. Le temps ralenti et vos actions consomment 50% d'endurance en moins. J'ai 200% de dégâts aux ennemis qui ignorent votre présence. Télépathie, c'est quoi ça? Chaque psychique exécute une attaque psychique directe contre des cibles biologiques. Et ça c'est quoi? Utilisez votre esprit pour récupérer des objets lointains et interagir avec des appareils dans un rayon de 10 mètres. Ouais, super. Super, super. Super, ça sert à rien. Ingénieur. C'est vrai qu'on a boosté à fond notre capacité de pack. Et scientist. C'est quoi ça? Piratage. Aptitude psy. En mode augmente votre réserve psy jusqu'à 150. Ouh, ouh, ouh. Merci. Hop là. Voilà. Parce que moi j'aime la psy, moi. Moi j'aime ça les attaques psy, mon gars. Ça leur fait super du mal. Pas d'accès. Ok. Aucune carte d'accès. Excusez-moi madame. Ah oui c'est vrai, la madame elle était morte. Oh oh. Scan terminé. Nouvelle aptitude psy disponible.
Crève-le, crève-le. Ils sont deux. Oh, les fumiers. Ok, on est en mode... Dis saloperie, non dégage, tu sers à rien toi. Ah, j'ai pas trouvé le mot de passe. D'accord, la bouffe. Les cartes à jouer, le cycle de distorsion, ok, on s'en fout. Fatal Fortress, livre du maître du jeu, on l'a déjà lu. Pas en entier, mais on l'a déjà croisé, quoi. Note, blablabla. Ok, Abigail Foil. C'est pas elle qui a son mot de passe sous son... Si, voilà. Voilà, super. Ça, c'est intelligent, ça. Ok, utilitaire. Qu'est-ce qu'elle a comme utilitaire? Trésor caché? Hein? Mm. Pardon. Ok, donc, on récupère. Là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, il n'y a rien. Là, ici, il n'y a rien. J'avais pas trouvé un truc de trésor caché. Une note ou un truc comme ça. Neuromode, carte, statut, données. Mot de passe d'Abby. Fatal Fortress. Merde, il me semblait bien avoir ramassé un truc du genre carte au trésor. Main possédée. Opérateur corrompu, cauchemar, mimique supérieure, cauchemar, immunité. Fantôme éthéré, fantôme thermique. Ils font chier eux. Opérateur médical. Chloïd, mi, humain, fantôme voltaïque, faiblesse IEM, onde de choc. Ah d'accord, les voltaïques sont faibles à ça. Tisseur, tourelle, fantôme. Plan. Charge recyclante, batterie de disjoncteur. Ok. Des clés, ok. Journaux audio. Les emails, chasse au trésor. Ah non, là j'ai pas dû le ramasser. Merde. Merde, merde, merde. Oui, donc ok, inutile, retour. Dossier. Fléchette pour arbalète. Conversion, station archivée. C'est bon ça? Avec le grand Alex Yu aujourd'hui. Il m'a encore sorti ses excuses bidons. Où es-tu? Entre lui et Morgan, c'est une tradition familiale. Toi bien. Le fameux désolé des Yu. Encore plus hypocrite que des excuses à la Daniel Show? Non. Daniel, non, la salle je de dis pas que travailler avec eux est une sinécure, mais... Tu viens de me comparer à lui? À ce sac à merde arrogant? Bon, on peut pas continuer comme ça. T'as raison. Va-t'en. C'est fini entre nous. Daniel! Oh. J'ai dit va-t'en. Elle l'a plaqué. Ok, je les avais butés tous les deux. Oh, c'est bizarre ça. D'où est-ce qu'ils ont repop ces fumiers là? Ok, ici c'est les capsules de l'équipage, mais ici je crois qu'on était déjà passé, qu'on avait déjà fouillé. Hein. Voilà, et ici on pouvait pas y aller. Parce qu'il y avait une brèche. Totalement, totalement, fatalement, ok. Bon, bah voilà, bah il va être temps d'arrêter. Hein. On va se quitter là, les amis, pour aujourd'hui. Voilà. On va faire une petite sauvegarde et on va s'arrêter.
Voilà, donc eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître, n'hésitez pas non plus à me lâcher vos commentaires, ça fait toujours très très plaisir. Que dire d'autre? Eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures sur Prey. Allez, go!